la presse pour nous capables de faire mise au point sur sa capacité, surtout avec Mme Gueli, président, qui se représente CRIFA. C'est lui-même qui est responsable et organisation ça, qui s'organise les droits humains. Après l'élection qui était faite le 8 novembre 2022, pour te choisir un représentant pour voter dans CSP. Selon la loi qui porte l'organisation au PC pour comment capable désigner les gens pour voter dans CSPJ. Donc, je demandé pour CRIFA prendre règne pour capable faire élection. C'était Madame Gueline Résidor qui était responsable du comité électoral. C'est lui-même qui était fait comité pour être capable faire étude pièce et puis pour être capable de faire élection. Avant même Madame Gueline Résidor de porter le candidat, c'est lui-même qui était fait élection et c'est lui-même qui était agréé M. Anel Remy comme candidat pour poste. Laisse ça, M. Anel Remy pas venir comme responsable cadeau, mais ligue là, côté cadeau fait partie là-dedans, qui c'est LHDDH. Il y a plusieurs organisations de l'Oise qui la donnent. Nous demandons si Anel Remy qui pourrait présenter la Ligue là au pas besoin de plusieurs candidats. Madame Gueline Résidor, c'était lui-même qui était agréé candidature de M. Anel Remy à l'époque. Tout de suite après, tellement tu as l'autre responsable organisation de l'Oise sous forum qui était contesté Gueline dans le comité. Par la suite, Gueline n'a obligé de retirer le col dans le comité et puis d'avoir porté le candidat. Puisque c'était Gueline qui fait toute loi pour participer à l'élection au principe, c'est lui-même qui était régio. Donc, laisse ça pas de aucune balise pour te dire qu'il n'y a pas de candidat si tu es dans le comité déjà. Mais tu es en train de faire comité, c'est après Dabelski, Gilbert, tu as rejoint le comité comme président, accepté comme président, tout le monde a accepté comme président. En dehors de l'autre monde qui était contesté, qui n'est pas d'accord, élection. Mais nous-mêmes dans le DVH, nous te dit faut élection en fait, faut les respecter. Et nous te boubés du déposant pour élection en fait. Élection ça a été arrivé le 8 novembre 2022. Le monde qui était candidat, c'était Gueline Résidor qui était en premier. Et puis, M. Anel Remy qui est venu, et puis nous venons de jouer M. Joachim Montus qui est venu comme trois moun nous te voyons dans l'OPC. Tout de suite après, prend un juge de paix pour dresser un procès verbal pour capable remettre à l'OPC et non trois moun sa yo qui est passé dans l'élection. Après 10 novembre, nous remettons, alors comité a remettre nous-mêmes comme membres observateurs qui étaient là, qui ont observé et qui ont participé à l'élection, ils ont remis avec OPC 3 noms, avec toute barrière, l'élection été faite dans toute transparence. Pour nous, c'est à OPC pour le choisir, c'est qui est l'a choisi. Mais pendant toute période, la Gueline s'est créé problème dans ce secteur. Il y a un problème avec tout le monde qui est sous forum de droits humains. Retirer, dès que nous parlons contre lui, retirer, il manque de protecteurs citoyens dégageant le blé. Les tout qui était dans ses personnalités, dans ses caractères, et ainsi de suite. Ou même qui est responsable d'organisation, l'on parle, il dit souillé bouchou. Nous comprenons le langage haïtien, dans le monde où l'on parle de souillé bouchou, ça veut dire ça. Veut dire. Donc, je pense que dans tout comportement ça, il a affiché, moi-même, je me senti mal à l'aise si protecteur citoyen, tu as fait choix de Gueline Résidor comme monde qui t'a représenté ce secteur ça. Parce que il décrié sur toute la ligne. Donc, après toute investigation, protecteur de l'enfer, il désignait M. Anel Remy comme représentant de droits humains dans CSPJ. Donc, nous félicitons le protecteur de l'enfer pendant et pour réagir, pour trancher. Donc, on pense que c'est une décision qui est valable. Et nous-mêmes, dans l'organisation de droits humains, nous-mêmes, dans le DVH, c'est ça, nous avons toujours souhaité faire respecter l'élection et respecter le droit de l'homme. Puisque c'est le droit de l'enfer, il faut que le droit de respecter. Il y a une blie s'il fait droit. Gueline oublier si c'est droit jumé la fait. Gueline pensait que c'est dans l'organisation de base liée. Il pensait que c'est dans l'organisation politique liée. Mais ça, ce n'est pas organisation politique, ce n'est pas organisation de base, mais c'est organisation de droit jumé. Il faut que l'homme le respecte, il faut que Gueline ressaisisse. Nous n'avons pas de problème avec nous, nous n'avons pas de problème, c'est pour ça nous. Mais nous souhaitons le ressaisir pour comprendre le bagage pour avancer. Parce que secteur sur secteur qui est décrié, nous voulons secteur réparer dans la société. Il faut apparaître justice dans le balancé. Qui campait, il faut que tout le bagage avance, il faut que payer en marche. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça, ce n'est pas tout le monde qui a couru qui est payé pour le casier. Mes amis, il faut que nous avancions, nous demandons à Gueline ressaisir et ça l'a fait à l'on n'est pas bon. Et si tu as un monde qui t'a blâmé, c'est Gueline qui l'a blâmé. Si tu as un monde qui t'a sanctionné, c'est Gueline Résidor qui t'a sanctionné. Et nous disons ça fort, Gueline, ou pas t'as qu'à représenter le secteur, ou pas qu'à jamais t'as représenté, sous toujours été avec la même attitude, ça, même comportement. Ça. Merci, DVH. Camper des élections et le camper des choix au PC1, et c'est ça nous t'a demandé, c'est ça nous t'a boumé pour faire et qu'elle respecte. Merci beaucoup. Mais dis-nous, non, sous qui non, madame Gueline, t'es inscrit dans l'élection ça? Lui-même, il est venu inscrit sous CRIFA, CRIFA Maïsienne.
c'est lui-même qui est coordinatrice et organisation ça. Mais qui ça est capable de dire organisation ça lui-même? Il dit, et, parce que nous attaquer Madame Guillaume seulement, nous pas parler de organisation. Est-ce que c'est organisation qui décrié, nous capable de dire victoire Maître Emion, ou du moins c'est Madame Guillaume seulement qui campait comme j'en ai dit tout à l'heure comme un perdant ou Ishinia? C'est pas RIFA comme institution qui décrié choix pas bon. Pas oublier élection fait après 6 mois OPC vient décider qui est d'accord. Choix c'est que depuis mon inscrit qu'on a toute procédure c'est vous-même qui vous faire, c'est vous-même qui êtes dans l'organisation, c'est vous-même qui êtes responsable pour faire comité. Mais puisque fin faire vous agréer tel monde qui est capable de candidat, moun sa gen libre habit pour exercer pour voir ça qui est au. Mais une fois que moun sa fin élu ou d'accord, li élu ou d'accord, li élu, mais c'est pas parce que vous fin choisi ou pas choisi ou qu'on y a c'est même personnellement, seulement ou même qui est capable de prendre la vie ou de prendre la vie. Ça, c'est un pédant réchignat qui peut accepter. Même j'en ai dit, vous prenez AIC, c'est un seul bagage qui accepte de prendre la vie de bolet. Mais nous dit là, on est obligé à accepter. C'est vrai le formal, peut-être que tu as un budget sous CSPJ, on va le faire, mais on est obligé à accepter, on est obligé à marcher dans la logique, dans la loi, selon la loi. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler selon ça, tel vle. Nous ne pouvons pas parler de sensations, nous ne pouvons pas parler d'affection, mais nous ne pouvons pas parler selon ça, la loi dit, parce que c'est droit n'a fait. C'est ça la loi dit. Que vous voyez trois mouns, et puis protecteur a choisi un moun. Protecteur, qui t'a choisi, Daniel Remy, qui t'a choisi Montus? Nous n'avons pas de problème avec quel que soit le choix de faire, mais l'idée décider, c'est mettre Anel Remy qui est capable de représenter valablement le secteur. Nous faisons merci, protecteur, et Kembela n'a pas avancé nous-mêmes dans le secteur avec Anel Remy.